femme aura son mot à dire. Et si ce père, les enfants auront leur mot à dire, avec un chant, voilà, préparez-vous cette circonstance. Vous me verrez bien de même. Un chant, pas fait que je le casse. Cela seulement, nous sommes là pour appuyer le prophète à toutes ses actions contre la vie. Merci. Merci. Pour le prophète, je vous remercie pour tout ce que vous faites, n'est-ce pas, pour non seulement la joie des enfants, n'est-ce pas? Alors, sans plus tarder, nous allons permettre aux enfants, n'est-ce pas, papa? Ok, allez-y. Ne chuchote de ton père et ne pas la chemin de ta mère pour faire un verset vie. L'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Proverbe 10, verset 27. Est-ce que le chemin, la vérité et la vie? Lui devient au père que par moi, j'aime t'adore bénéfice. Le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jean 8, verset 36. Si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Proverbe 23, verset 15. Mais l'amour couvre toutes les fautes. Proverbe 10, verset 12. Prends vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. Écoute l'instruction de son père, mais le cœur n'écoute pas la rumeur. Proverbe 13, verset 1. Qui persiste en bouche, garde son âme. Celui qui
garde son âme. Les douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Psaume 32, verset 10. Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Jean 9, verset 31. Seigneur a grandi et il était agréable à l'Éternel de tous hommes. 1 Samuel 2, verset 26. J'ai pris son prochain comme un péché, mais heureux celui qui a pitié des misérables. Proverbe 14, verset 21. Ceux qui sont intègres dans la voie, ils marchent selon la loi de l'Éternel. Psaume 119, verset 1. L'instruction d'un père est soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. Je t'ai un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retient mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Proverbe 4, verset 1 à 4. Les Congolais ont des problèmes. Si vous avez...
verset biblique, la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de la Bible déjà, à l'opinion de la Fondation Perpétuelle. Espoir de vie, vraiment une fois encore, on va applaudir les enfants. Après cette prestation de nos enfants, maintenant, donnez de la voix aux tout petits pour leur message de bienvenue. Chers collaborateurs du prophète, chers parents, chers... Papa, chers collaborateurs du prophète, chers parents, chers amis de notre papa, c'est avec une grande joie que ce soir, je prends la parole au nom de mes frères et sœurs pour te souhaiter la bienvenue parmi nous. Depuis notre arrivée ici dans cet orphelinat, c'est pour la deuxième fois consécutif que tu effectues de si longs voyages au pays des Blancs. Pour, nous le savons, chercher des voies et moyens pour asseoir et faire fonctionner la Fondation Prophète Joël Grasso. Mais surtout pour l'œuvre à laquelle Dieu le Tout-Puissant t'a appelé et choisi de délivrer les âmes. Nous lui rendons toute la gloire et que sa grâce soit sur toi, cher papa. Sache que tu nous as encore manqué. Nous ne cesserons de te dire merci. Et pour nous, il n'y a pas d'autre mot plus expressif et plus fort que le mot merci. Jésus ne l'avait-il pas réclamé dans Luc 17, verset 17, quand il a guéri les 10 lépreux? Merci, papa. Encore merci. Des enfants oubliés que nous étions. Des enfants abandonnés que nous étions. Des enfants délaissés, jetés que nous étions. Voilà qu'à travers vous, papa, et à votre générosité légendaire, Dieu nous intègre dans une nouvelle famille, la famille de Dieu. Aujourd'hui, nous connaissons la joie d'un repas complet, la joie d'un sommeil doux, la joie d'avoir été accepté. C'est pourquoi nous pouvons dire, comme Job, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Papa, nos oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant nos yeux t'ont vu. Seigneur, tu es vraiment le Père des orphelins et des délaissés. Nous prions pour que cet orphelinat devienne grand et accueille plusieurs enfants qui sont encore dans les rues. Ici, à Divo, en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Cher papa, Dieu te bénisse, qu'il bénisse ton ministère et le rende plus puissant et plus prospère. Je vous remercie, Charlotte. Ce message très fort du président fondateur de la Fondation Prophète Joël Grasso, Espoir de vie, les enfants, ils traduisent là, n'est-ce pas, leur reconnaissance. Alors, leur reconnaissance, et ça vient du fond du cœur. Alors, l'émotion aidant, d'autres n'ont pas pu même retenir leur âme. Merci, Papa Prophète Joël Grasso. Et c'est pas fini. Un autre message, une autre programmation. Et voilà. Comment sentez toute ma joie? Chaque jour j'ai et j'arrive tous les jours en moins. Comment sentez toute ma joie? Comment sentez toute ma joie? Chaque jour j'ai
Fondation Prophète Joël Crasso, Espoir de vie, parce que le prophète Crasso lui-même est orphelin. Donc, pour moi, mes ambitions, c'était d'abord d'avoir un orphelinat, de créer ça, et ça date maintenant plus de 20 ans que j'avais déjà mûri ça dans ma tête. Cette année, elle a eu l'ouverture de l'orphelinat, gloire à Dieu, pour dire que Dieu nous exhorte, on dit, même si la prophétie est tard, elle s'accomplira certainement. Mais en même temps, quel est l'objectif que nous voulons atteindre? Pour amener ses enfants à être meilleurs demain. Meilleurs demain parce que ils n'ont pas, n'est-ce pas, souhaité être dans ce genre de conditions. Ils n'ont pas vraiment souhaité dans ce genre de conditions. Il faut joindre l'acte à la parole, c'est-à-dire en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, c'est vraiment être dans les actions. Nous ne sommes plus à l'heure de la parole. Il faut être plus dans les actions. Donc aujourd'hui, Dieu, Jésus-Christ, n'a pas fait que délivrer les gens, n'a pas que prêcher, il est plus dans les actions. Donc les enfants, ça nous amène à réfléchir à demain. Ouais, et une Côte d'Ivoire en train de, bon, une génération en train de partir, une génération naît, il faut commencer d'abord à s'investir dans l'éducation. C'est ce que nous sommes en train de faire par la grâce de Dieu, amener ses enfants quand même, pour ne pas qu'ils soient délinquants demain, parce qu'ils peuvent être délinquants, se retrouver dans la rue, parfois de moyens, ils peuvent être délinquants, des braqueurs, parce qu'ils n'ont pas reçu de l'aide. Donc il faut essayer. Voilà, donc on ne peut pas, pas parce qu'on a des moyens, pas parce que le prophète Joël Crasso a de l'argent, non. C'est une question de volonté, voilà, volonté, et puis on y met tout ce que nous pouvons faire pour réussir ça, surtout avec l'amour, parce que on dit l'amour sans les œuvres, elle est morte, voilà, donc c'est pas parce qu'on a les moyens, parce qu'on a envie d'aider. Ici, cette ONG n'a pas encore reçu d'une subvention de l'État, éventuellement si elle venait, il n'y a pas de problème, mais on n'a pas de subvention ni de l'État, on n'a pas encore de la subvention ni des autorités, même de la ville de Divo. Mais on ne se base pas pour avoir une subvention. Nous avons une vision, c'est d'apporter une assistance aux enfants en difficulté. C'est ce que nous sommes en train de faire, sans arrière-pensée.
Nous ne cherchons pas à avoir forcément c'est des millions qu'ils auront mis dans la construction de ce bâtiment, c'est des millions qu'ils auront mis, c'est des millions de francs que nous dépensons, n'est-ce pas, pour l'éducation de ces enfants. Voilà, c'est pour dire, on n'a pas forcément besoin des millions, c'est une question d'amour qu'on a pour son prochain. Le grand commandement dit Dieu dans le livre de Exode, tu aimeras ton prochain comme toi-même. N'est-ce pas? Il dit, voici les commandements qui sont très importants. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toutes tes forces, de toutes tes pensées, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un commandement très important, c'est-à-dire aimer son prochain. Vous savez, les enfants n'ont pas décidé d'être au monde, de venir au monde. C'est Dieu, n'est-ce pas? Ils ont besoin, n'est-ce pas, d'une assistance. C'est ce que nous sommes en train de faire par la grâce de Dieu, avec le minimum de moyens que nous avons, afin de pouvoir les assister. Parce que ces enfants que nous maîtrisons aujourd'hui, ils vont grandir demain, ils apporteront quelque chose à la société. Voilà, donc pour moi, je suis en train de voir un rêve accompli, mais plus l'accomplissement de voir ces enfants un jour dans un foyer, n'est-ce pas, avoir des enfants, et puis eux-mêmes entrer dans cette œuvre sociale. Parce que c'est important, on a toujours besoin d'aider les gens. On a toujours besoin d'aider les gens. Parce que parmi eux, il peut y avoir, n'est-ce pas, des footballeurs, des meilleurs footballeurs, des meilleurs ingénieurs, des meilleurs, même président de la République, même ministre, on ne sait jamais. Voilà, donc il faut leur donner cette opportunité, il faut leur donner cette chance de pouvoir avoir espoir à la vie, que ce retour dans la rue. Que ce retour dans la rue, et puis se retourner contre la société en braquant, en volant et tout ça. Et puis même la même société va demain les tuer. Voilà, parce que la même société peut les tuer, parce que même si on braque, on est voleur, on doit se retrouver un jour en prison. Pour éviter ça, il faut commencer déjà à prendre les enfants en difficulté. Nous allons penser à ça en tant que fondation, parce que en tant qu'homme de Dieu et en tant que croyant, moi je suis croyant, en tant que croyant, la première action c'est envers mon prochain. Dieu je ne le vois pas. Dieu je ne le vois pas, même si par révélation il s'est révélé par moi, mais Dieu est, il s'incarne au travers de la personne humaine que je vois là, et c'est à partir d'eux que je commence à, n'est-ce pas, manifester l'amour que j'ai pour mon créateur, parce que l'être humain est créé à l'image de Dieu. L'homme est créé à l'image de Dieu. Donc, si j'aime mon prochain, je vais aimer. Si j'aime Dieu, je dois obliger. On dit celui qui dit, qui prétend aimer Dieu, qui n'aime pas son prochain, est un menteur. Donc, pour moi, l'amour de Dieu nous a mené à aider que de détruire. Voilà. Parce que le malheur de nous, les Africains, nous ne sommes pas préparés à la relève. C'est-à-dire qu'on s'en fout même d'un héritier. Le papa est malade à l'hôpital, il oublie de vendre son champ de cacao, mais sa maison, son patrimoine, parce qu'il ne veut pas que quelqu'un, un enfant, bénéficie de sa richesse. Vous comprenez? Parce qu'on ne prépare pas la relève. On a toujours besoin d'aide pour être quelque part. Voilà, donc les enfants, et la plupart d'entre eux, ils ont un témoignage. Par exemple, ce petit, c'était un sorcier, n'est-ce pas? Il a mangé avec son papa avec la bonne sauce tikliti. Il a mangé la sauce grecque, tikliti et placali. Bon, il a été délivré et tout ça. Donc, la plupart ont quand même un témoignage. Voilà, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Voilà, pas revenir là-dessus. Mais c'est du passé. Pour dire que c'est du passé, on a quand même récupéré des enfants. On leur a donné une vie, condition de vie, qui leur permet d'avoir un déjeuner le matin, petit déjeuner. À midi, elle doit un déjeuner. Le soir, elle doit un dîner. Et puis, suivi par un éducateur que je salue maintenant. Voilà, l'éducateur, lui et son épouse, qui représentent comme le père et, n'est-ce pas, et la mère de la fondation. Parce que c'est important. Moi, étant absent, je ne peux pas jouer le rôle en même temps du père et de tout ça. Il faudrait que les enfants sentent qu'il y a un père, une mère qui est au niveau de la fondation. Et chaque fois, ils sont obligés de relever, parce qu'ils ont besoin d'une éducation. Et à côté de ça, on a besoin aussi d'aller à l'école. Donc, nous sommes en train de travailler là-dessus, pour, n'est-ce pas, pour ça, parce que c'est important. Ici, c'est un local, n'est-ce pas, qui est lieu il les permet d'avoir un local à eux, et puis en même temps, permet de quitter ici et aller à l'école. Donc, nous nous investissons dans beaucoup de domaines, mais en même temps, merci pour ceux de loin qui prient pour nous. Voilà, merci pour ceux qui prient un peu pour la fondation, pour tout ça. Il faut commencer. Donc, on a commencé, il faut commencer. Et cet événement, aujourd'hui, c'est le contact avec, l'événement d'aujourd'hui, c'est le contact avec les enfants, après deux mois d'absence avec ici. Et on aura l'occasion tout à l'heure de recevoir encore des enfants que nous avons aidés ici à Divo, qui, n'est-ce pas, en donnant les fournitures scolaires, parce que nous aussi, nous sommes dans, nous investissons aussi dans l'œuvre de l'éducation. Donc, des enfants déscolarisés, nous apportons une assistance. Donc, ces enfants seront là tout à l'heure, pour voir un peu le témoignage, comment on les a poussés, et puis sont passés en classe supérieure. Tout ça, on n'a pas forcément besoin. Moi, je suis un citoyen, voilà. Il n'y a pas forcément besoin que l'État, moi, quand je sens un besoin, alors je le fais parce qu'il y a l'amour
J'ai l'amour de mon prochain dans mon cœur. C'est une question d'amour du prochain. On n'a pas forcément besoin des milliards pour commencer. Je vous dis, on n'est ni subventionné par l'État, on n'a pas de subvention de la mairie de Divo, on n'a ni une subvention de l'autorité de Divo, mais nous avons commencé parce que nous avons l'amour et nous allons continuer de le faire parce qu'on n'attend rien. Si les gens veulent nous appuyer, gloire à Dieu, on n'attend rien d'eux. Eh bien, si les gens veulent nous appuyer, parce que si vous voulez nous appuyer, gloire à Dieu, si, la preuve c'est que les gens nous aident. Il y a des personnes particulières qui nous aident. Donc, gloire à Dieu. Donc, vous dites, on peut commencer quelque part. Il ne faut pas prendre le temps aimer Dieu et puis, n'est-ce pas, ne pas être dans le social. Il faut aider l'être humain. Jésus-Christ n'a pas que prêché, il a nourri les gens. C'est-à-dire, si Jésus était de nos temps aujourd'hui, il allait construire l'orphelinat. Jésus-Christ, il allait bâtir. Donc, il faut adapter le système de Jésus à notre époque. Aujourd'hui, à notre époque, Jésus-Christ, il n'y a pas d'avion à son époque. Il marchait. Notre époque, aujourd'hui, les enfants sont en difficulté. Et le problème, aujourd'hui, qui s'évite en Afrique, c'est un problème de faim. Un problème d'éducation. Si les enfants sont mal éduqués, mais vous comprenez très bien, ils seront des enfants qui vont se révolter. C'est des personnes qui vont se révéler contre la société et ça sera une société vraiment très bancale et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Il faut commencer. Commencer déjà et c'est ce que nous allons essayer de faire. Moi, mon appel, c'est de permettre à chaque homme de Dieu de comprendre. On ne peut pas faire forcément comme le prophète Crasso. Voilà, mais il faut quand même aider. Il faut quand même aider les gens en difficulté, il faut y penser et c'est important. Parce que aider les veuves et les orphelins, ça fait partie du programme, du système de Dieu. Voilà. Et Dieu ne joue pas avec ça. Voilà. Donc on ne peut pas dire qu'on est chrétien, ou on ne peut pas dire qu'on est croyant, et puis on ne peut pas aider. Bon, c'est vraiment un peu douteux. Il faut beaucoup, faut aider que Dieu détruit les gens. Il faut les aider. Nous, en tant qu'hommes, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'Esprit Saint en nous. Et quand on a l'Esprit Saint en nous, c'est de voir des gens avancer. Voilà, donc il faut les booster pour qu'ils puissent avancer. C'est ce que nous avons essayé de faire par la grâce de Dieu. Je suis très heureux de les revoir après quelques mois, deux mois par exemple. Je vois, il y a beaucoup qui sont ici, qui n'arrivent pas à s'exprimer comme les petits. Ça va? Comment tu appelles? Ça va? Ils n'arrivent pas à s'exprimer, je suis fort et surpris qu'il récite un verset biblique par rapport à lui. Ça va? Tu as eu peur un peu de... Voilà, donc tu voyais, on a eu, et c'est comme ça, merci, n'est-ce pas, responsable de, voilà, déjà pour quelque chose qui a commencé déjà à se faire ici, gloire à Dieu. Nous, je suis là ce soir, ce matin du moins, c'est des vacances, vous voyez, c'est des vacances pour échanger avec les enfants, on aura tout à l'heure joué un football avec mon groupe musical, c'est-à-dire le groupe musical du prophète Crasso, sont là, et puis avec le personnel de la fondation, nous allons jouer football. Et après, on aura un déjeuner à partager aujourd'hui. Et puis bon, à la longue, ce mois-ci, on va emmener les enfants au zoo d'Abidjan pour visiter. Ils vont sortir. Ils vont sortir. C'est le zoo d'Abidjan. Vous allez aller voir les animaux. Voilà, où il y a les animaux, là. C'est pas au zoo d'Abidjan. Voilà. Au zoo d'Abidjan. Ils auront voir le zoo d'Abidjan, ils auront voir Bassam, la mer, par exemple. Et ils sortent, et puis ils vont revenir cette année, ce mois-ci, jusqu'avant la rentrée, ils auront deux sorties comme ça, pour avoir contact, voir les animaux. On en parle d'un éléphant, c'est quoi l'éléphant? Ils vont voir l'éléphant de près, ils vont voir un lion de près, ils auront tout ça. Nous sommes en train d'organiser, c'est les vacances, ils auront dans ces deux jours. Mais c'est important pour nous d'être en contact avec eux, pour dire aux enfants que nous les aimons. Qui n'en veulent la personne. S'ils sont enseignants de construction, ce n'est ni quelqu'un qui leur a imposé cette condition. Voilà, donc c'est Dieu. On va, voilà, donc il faut amener les enfants à décompresser, à comprendre qu'on peut réussir à partir de rien. Voilà, c'est un peu le message ce matin que je peux apporter. On peut réussir à partir de rien, pourvu qu'on ait l'espoir. Il faut créer ça d'abord, ça se crée. Voilà, quand on n'a plus de soutien, on perd l'espoir. Il faut créer l'espoir, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et maintenant, Dieu, le reste appartient à Dieu. On dit, bon, voilà, il faut créer. Qu'est-ce que nous avons? C'est ça, le moyen que nous avons déjà. Nous mettons sur la disposition des enfants. Et maintenant, Dieu, lui, il se charge de les faire réussir dans leur destinée. Et ça, c'est vraiment très important. On ne peut pas dire, on est homme de Dieu, les gens sont dans nos églises, ils ont des problèmes, des orphelins, ils ont des problèmes, on n'arrive pas à les scolariser, des veuves qu'on n'arrive pas à nourrir. Mais c'est quoi ce message-là? C'est quoi? En réalité, le pasteur, le prophète, ou le pasteur, il grossit seulement, il chante des voitures, et tout le monde maigrit, mais celui qui grossit, c'est sorcellerie ou bien. Voilà, donc c'est tout cela que nous voulons
réglé par la grâce de Dieu. Mais pour dire, nous n'en voulons à personne, mais nous sommes en train d'accomplir une volonté de Dieu. C'est pour nous une grande joie de voir les enfants en avancer. Voilà, et puis avec les mêmes moyens que nous avons, un peu, c'est une question de volonté. Voilà, donc, que Dieu bénisse. Amen. Nous sommes bénis, jouer. On va jouer football avec vous. Il paraît que le monsieur Saint Didier de voir foutu. C'est ça? Moi, je suis le plus grand masseur de la Côte d'Ivoire. On va se masser. Voilà, monsieur, merci. Nous, on va au terrain. Voilà, on va aller au Jupe de Londres. Moi, c'est comme ça qu'il appelle. Voilà, il vient de Londres et toute sa famille. Elles sont là ce matin, elles sont arrivées depuis plusieurs nuits par la grâce de Dieu. Depuis qu'on échangeait, elles ont tenu quand même à venir voir la fondation Prophète Joël Crasso. Ils ont tenu quand même à envoyer, n'est-ce pas, des présents, n'est-ce pas, à la fondation. Et je tenais quand même à dire officiellement merci. Merci à toi. C'est vous qu'on remercie. Voilà, merci à toi. Merci à son épouse. Merci. Ah ouais. Ça va? Un petit mot? Oh, ça fait un plaisir. C'est juste qu'on est venu. C'est vraiment un grand plaisir pour nous. Il est bien pour les frères et sœurs de mûrir ensemble. Pour nous, la distance ne compte pas. On tenait à voir le prophète et puis l'orphelinat aussi. Ça fait plaisir. On fait quelques présents pour ces enfants. Je pense que je suis content avec. Et aussi, venez les enfants, est-ce qu'on peut acclamer? Venez. Venez. Venez dire merci. Voilà, venez. On cache les affaires du prophète. Okay. On déballe les affaires de l'offre là. C'est pour le ballon. Et puis, voilà, donc, messieurs, venez, on va pomper le ballon, on va jouer le ballon. Et puis, je vais les masser un peu. Je suis le grand masseur. Venez, on va pomper le ballon. Merci, c'est vous qui avez donné le ballon. J'aimerais que les enfants disent quelque chose. Allez, tout le monde a pour faire la fin. Attends, viens faire ça, champion. Non, en anglais. En anglais, ok. Say, that you brought something for them as well. Don't say no. The spinner. Yeah. I'm happy to meet. Lâchez. Lâchez. Ils sont contents, hein. Là. Il a dit, il faut appuyer. Il faut appuyer d'abord. Appuyer. On est au village. On va les chaises. On va aller jouer avec les enfants. Attention! Attention! Les enfants de la chambre. Et c'est le petit. Attention, le musée, essaie de poser, assis le temps, et vous le pénal, attention, que ça se passe. Et c'est parti, c'est ce que vous êtes assis, et un musée, le musée qui sait, c'est ce patelin, c'est un peu de paix, et ils ont toujours l'impression de m'attendre, à l'école, le bizarrisme, et pas plus de paix, je l'ai bien en bizarre, attention. C'est pas une guitare, les frères. Ce n'est pas la batterie ni la batterie qui sont. Mais tout petit, attention. Et nous, on nous amène. Et là, ça chauffe. Ça chauffe. Voilà. Il tente. Et là, on va Allez, le petit Paris.
Il cherche un partenaire. Il cherche un coéquipier. Une passion. Alors ça monte. La munition. Tu fais passion. Attention. Et pas se passer. Allez, on va la pise. Et voilà, le perfectionniste, le perfectionniste, le Non, c'est pas facile.
passé. Le technicien du stade et le nouveau de Pise. Le nouveau de Pise. La victoire est apportée. Merci. Saisis-la, saisis-la. Je déclare que maintenant même, tu ne mourras plus. Au nom de Jésus, tu ne mourras plus de cette maladie. Ok. Nous poursuivons. Tu ne pourras pas se croyer. Nous poursuivons. Le bâton s'est il va aggraver la situation. Attention. Le bassiste qui pense qu'il joue à la guitare parce qu'il a pu. L'ingénieur de son qui cherche à relever le son. Il cherche à mettre un deuxième but, ne le met pas l'épuise. L'ingénieur de son. Il va chercher qui? Le lapin, que l'épuise. Ah, attention, qu'est-ce qui se passe? Regarde en arrière, n'est pas dit le royaume des cieux. On fait le tracé. Et ça a relancé. On cherche un petit peu. On cherche un petit peu. Aïe aïe. Les vampires mettent l'attention sur le musicien et que ça passe avec la paix, il va la rompre, attention, le musicien épouse, le batteur, il passe le passé, il va peser, le tien. Abraham, mets toi quelque part. Reste un point plus, tu vois. Et si je passe. Ok, il m'a encore 5 minutes. Ah, la pause. Les bassistes sont à perdre. Les bateaux qui cessent. Attendez la situation. Le nouveau épouse. Le nouveau épouse. Le petit service. Il cherche. C'est bon, tu peux. Petit service. Zéro. 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 Non, c'est pas rentré. Qu'est-ce qui se passe? Une pression sur le corps de l'Union.
Un bon joueur, le bâton qui se cesse, les enfants, battez-nous, et nous tous les tribuns sont des amis. C'est pas possible, c'est pas possible. Attention, et c'est parti. Nous jouons le rôle d'éclaireur. Donc je veux vous éclairer. Est-ce que ça va? Lâche le son, il a le bâton. Le bâton pour qui? Pour le bassiste. Les enfants refusent. Le petit chalut pour qui? Pour les gilets de son, attention. Il a sauté le deuxième poteau. Le bâton, il cherche toujours. Attention, les enfants refusent. Le bâton pour qui? Les enfants cherchent à faire quelque chose. Mais qu'est-ce qui va se passer là? Non, là, tu es en train de prenez, et c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Un retour. Allez. Et c'est possible. Non, c'est pas possible. Tu peux encore expérimenter. On est encouragé. Les enfants, c'est facile, ils vont essayer de... Attention, 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 toujours. Au centre, bien sûr, un gardien de vie qui dort, c'est pas normal. Adieu, Gaon, Namaïsa.
les enfants, qu'est-ce qui se passe? Qui a mis ce tableau de but? Vraiment, vraiment, qui a dit que c'est un coup? Et salut! Attention! Attention! Et tout, monsieur la honte, et son groupe! Attention! Le bassis! Les enfants ont la balle! Et qu'est-ce qui va se passer? C'est un peu chaud! C'est un peu chaud! Ah, Big Man! Big Man! Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Allez, et nous pour qui? Attention! Oh, ces enfants sont formidables! Allez, allez! Voilà! Voilà! Merci! 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 Et voilà, c'est fini! Non, la partie est finie. Un dernier match. D'accord. Vraiment, merci beaucoup. À la régie, nous allons on va s'applaudir. Je suis le prophète. On va s'applaudir. Chers spectateurs, la joie est belle. La joie est belle. Voilà, le bateau est chaud. Félicitations dans toutes les langues de la planète. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui encore c'est un grand jour. Rappelons qu'il y a de cela un mois et demi, on s'était retrouvé ici même. Alors un mois et demi, presque deux mois, voilà. Le prophète, après une tournée américaine, a signé son retour. Vous étiez ici quand on lui disait au revoir. C'est normal quand il revient qu'on lui apporte notre soutien et on s'en va demander les nouvelles de l'autre côté. Et bientôt également, c'est la rentrée des classes puisque nous sommes déjà en vacances. Vous êtes là, il est avec nous. On va quand même lui manifester la joie d'être avec lui là. Certainement que Dialogue va également réagir. Nous sommes à la fondation Prophète Joël Casson, Espoir de vie. Chers tout petits de l'Opéna, est-ce qu'on peut vous sentir par attention? Les enfants de l'Opéna, vous êtes très contents de recevoir les enfants des autres quartiers. On n'a pas de bruit. Il est déjà, n'est-ce pas, connu. Il est de retour. C'est une joie pour nous, c'est une joie pour vous. Également, une voix qui se lit sur le visage de la mémé, du dialogue de maman. Voilà, il est de retour. Tu es contente, non? Parlons tous ici, le prophète Joël Casso, mais pendant ce temps, je vais vous sentir manifester avec chaleur votre joie. On applaudit, 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 on Joël Casson, pas de vie, on fait le bruit.
Amen. Alors ici, nous sommes dans la joie. Ici, on est bien traité. Ici, on mange à tout moment avec le pain. Ici, on est toujours bien habillé. On est également bien chaussé, n'est-ce pas? C'est notre. Vous avez reçu la chaussure? Yes. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Vous avez reçu la chaussure? Oui. Tu as reçu la chaussure pour ton enfant? Oui. C'est vrai? Oui, monsieur. Alors, qu'est-ce que tu peux dire au prophète aujourd'hui? Merci. Dieu n'est pas le béni. Dieu n'a qu'à le bénir pour toujours. Tu as reçu chaussure, non? Tu as reçu chaussure. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Je vais dire que Dieu n'a qu'à le bénir jusqu'à sa mort. Amen. Merci beaucoup. Et voilà, l'encadré des enfants, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, je dis merci beaucoup au prophète pour tous mes enfants du groupe artistique Balakata et que Dieu allonge sa vie encore et que Dieu puisse nous bénir pour que tous ces projets puissent aller de l'avant. Merci. Alors, nous sommes avec les mamans du dialogue. Maman, ça va? Ça va. Est-ce que tout le monde a reçu chaussures aussi? Oui, il y a une chaussure. D'accord. Est-ce qu'on a amené aussi les fournitures scolaires? Je pense que les enfants en ont reçu aussi. Hein? Les fournitures? Oui, il allait passer. Non. Ah, toi, tu n'étais pas là? Elle était pas là. Mais tu as reçu chaussures quand même. Oui, on a. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au prophète? Je le remercie. Je le remercie beaucoup. Que Dieu le protège. Tu as reçu chaussures aussi. Comment? J'ai reçu chaussures. Alors, qu'est-ce qu'on dit au prophète? Il n'a pas le béni pour tout ce qu'il a fait pour nous. Ok. Bravo! Voilà. Tu as reçu chaussures aussi, non? Oui. Alors, qu'est-ce que toi tu dis au prophète? Dieu n'est pas le petit. Ok. Maman, tu as reçu et tu continues de recevoir. La fête des mères, le prophète Joël Crasso, n'est-ce pas, toi et sa fondation, a pensé à toutes les mamans. N'est-ce pas? Non, mais c'est qu'à quoi tu la cames? Allez, maman, merci d'être là. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà au dialogue, au poupette, pour toutes ces actions? Au poupette, vraiment, je suis ému de tout ce qu'il a donné faire. Ça me dépasse. Mais on prie Dieu. Dieu nous a pas donné l'homme, la santé. Tout ce qu'il cherche, ces ennemis-là, ils seront convaincus. Ils seront combattus. Le Seigneur va les combattre. Amen. C'est que Dieu a récupéré tout ce qu'il a fait la bonne affaire. S'ils sont méchants, les méchants ne vont pas rester avec ça. Amen. Lui là, il va tout faire. Il va faire tout que ça la même. Donc vraiment, on remercie le bon Dieu pour que toujours il n'a qu'à donner la santé. Partout il va passer là. Ce qu'il demande là, Dieu n'a qu'à faire plus. Amen. Et il va parler ça pour venir nous donner à Tibo ici. Ça serait une joie pour nous et nos enfants, nos petits-enfants. Mais... Merci. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Non, non, je vous donne 0 sur 10. Qu'est-ce qu'on fait? Pour tout ce témoignage, qu'est-ce qu'on fait? On va le bruit. Et également, bonne arrivée. Que Dieu bénisse. Amen. Pour votre présence, que la grâce de Dieu demeure sur vous. Amen. Je suis le prophète Joël Crasso. J'ai été inspiré par Dieu de mettre cette fondation sur pied. Parce que moi-même, je suis orphelin. J'ai été orphelin très tôt. Et moi, c'était... de mettre un jour une fondation pour apporter de l'aide aux enfants en difficulté, parce qu'il y en a connu. Et je priais Dieu pour que le Seigneur me fasse sa grâce. Donc c'est l'exaucement des prières de 20 ans passés comme ça, que le Seigneur venait d'exaucer cette année, qu'on appelle vertu de l'orphelinat. Et en même temps, dans cette région, j'ai compris qu'une année, quand j'étais à Zaroko, les enfants n'allaient pas être, je vais renvoyer 30 enfants.
Mais faute de moyens pour l'inscription, 30 enfants étaient dehors. J'étais obligé moi-même d'assurer, de payer l'inscription des trois 30 enfants, parce que pour moi, l'enfant a droit d'éducation. L'enfant, ce n'est pas le champ, même si on accompagne les parents, mais l'enfant a droit d'éducation. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à travailler dans ce sens-là, pour amener les enfants de scolariser à l'école. Donc, on a commencé déjà avec l'équipe scolaire à Zaroko. Et puis, bon, cette année-là, cette entrée-là, on a touché quand même la vie de Dino. Par la grâce de Dieu. Parce que moi, j'ai compris une seule chose, que nous les Africains, on a un grand défaut. Le défaut, c'est qu'on ne passe pas aux enfants. On ne passe pas aux enfants. La preuve, quand le papa se lève le matin, il veut manger, l'enfant, Madou, il n'a pas mangé, il n'a qu'à. Madou, il est. Voilà. Papa dit à manger Kabato. Il a tout mangé. Et Madou pleure. Madou va aller ramasser dans la poubelle. Ou bien Madou sera demain délinquant et puis on est énervé. Mais non, parce que quand on met l'enfant à l'école, on doit prendre soin de l'enfant. C'est l'enfant qui prend nos places demain. Et c'est ce que les gens ne savent pas. Donc, comment on fait pour préparer cette succession-là? Il faut amener l'enfant à l'école. Si l'enfant n'a pas eu cette possibilité d'aller à l'école, il serait un braqueur, il serait un délinquant. Ça, on n'a pas besoin d'être pasteur pour comprendre ça. Voilà. Ceux qui le font ne sont pas forcément pasteurs. Ceux qui le font, d'autres ne sont pas chrétiens, ne sont ni musulmans. Ils ont compris l'amour d'aider son prochain. Et surtout que les saintes écritures reviennent là-dessus où dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu, bien sûr, mais ton prochain comme toi-même. Moi, j'aimerais voir les enfants, c'est-à-dire mon jeune enfant. De toute façon, je m'inversis en cet enfant. C'est comme ça que j'aimerais aussi voir les enfants d'autres personnes aller à l'école. Voilà, parce que c'est l'avenir de demain. Si vous négligez l'enfant aujourd'hui, vous détruisez toute sa vie. Et donc moi, je suis lancé dans cette bataille-là pour dire, pour interpeller d'abord les gens. Pas parce qu'il y a les moyens. Non, on n'est pas parce qu'on a les moyens. Mais quand on a une volonté, Dieu nous donne les moyens pour accomplir notre vision. Voilà, c'est parce que j'ai les moyens, mais j'ai cette volonté, j'ai l'envie de le faire. Et donc Dieu me permet d'avoir le minimum pour aider. Ici, on n'a pas une subvention de l'État. On a ni une subvention de la mairie. On n'a pas fait ça pour que la mairie nous aide. On n'a pas fait ça pour que Alassane nous aide. On n'a pas fait ça pour que le gouvernement nous aide. On l'a fait parce qu'il y a un besoin. Le besoin, il est énorme. C'est que la plupart de nos enfants ne vont pas à l'école. Ou ils vont à l'école, mais les parents n'ont pas les moyens de les pousser, d'aller loin avec eux. Donc, nous autres, en tant que ceux qui sont futuristes, qui sont des hommes, des agents de développement, on a fini par comprendre qu'il faut accompagner les parents. Les parents, parce que c'est difficile. Les gens n'ont pas les moyens. Et donc, par la grâce de Dieu, on a mis une fondation sur pied qui s'occupe non seulement ça, des enfants en difficulté, des orphelins, mais aussi des enfants en difficulté, et aussi des veuves. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, pour nous, c'est déjà une victoire de penser déjà qu'on a des gens locaux où mettre déjà des enfants. Voilà. Et aujourd'hui, quand je suis arrivé, j'étais fort surpris de voir des enfants, vous voyez, qui ont commencé eux-mêmes. La poterie ici, c'est les enfants eux-mêmes qui ont fabriqué tout ça. Voilà. Et puis il y a les enfants qui n'arrivaient pas à s'exprimer. Et aujourd'hui, quand je suis arrivé hier, je les ai vus. Aujourd'hui, les enfants s'expriment très bien. Environnement où j'étais vraiment à l'aise pour pouvoir s'exprimer. Donc, par la grâce de Dieu, on entend de les accompagner. Et je remercie le Seigneur pour ceux qui nous apportent de l'aide, de temps en temps, qui nous assistent, afin de pouvoir aider les enfants. Les enfants n'ont pas forcé de venir. Ce sont nos enfants, c'est l'enfant de tout le monde, on doit les aider, n'est-ce pas, à devenir quelqu'un demain. Voilà, donc merci déjà pour ça. Mais nous allons travailler sur la rentrée scolaire. Je suis là pour que ça soit ça, qu'on travaille. Mais je pense que j'étais aux États-Unis quand je voyais ta vidéo pour dire il y a eu beaucoup de personnes qui sont passées en classe supérieure et ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a vraiment réjoui. Parce que c'est ça. Parce que si on nous a donné les communautés scolaires, quel est notre rapport? C'est-à-dire, le suivi, c'est important. On aimerait savoir un résultat de tout ce qu'on a fait. Parce qu'on ne vient pas pour frimer, on ne vient pas pour se faire voir. Non, on donne pour accompagner les parents et aider les enfants. Voilà, maintenant, quel est le résultat que ça a donné? Parce qu'on accompagne les enfants et nous, c'est, quand c'est bien fait, ça nous réjouit le cœur. On va organiser de telle sorte que, avant la rentrée scolaire, que ces enfants reviennent encore ici et puis qu'on nous donne le résultat que ça a apporté dans la vie des enfants. Et ça, c'est vraiment très important pour nous personnellement de savoir que, et si ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça marche? Et tout ça, là, l'enfant est dans quelles conditions de vie?
pourquoi est-ce que beaucoup de questions à la fois. Et quand depuis que je suis arrivé, il y a beaucoup de dossiers qui m'ont présenté, des enfants même en difficulté, qui ne sont même pas des niveaux, qu'on est obligé de prendre pour les mettre ici, pour leur donner une chance, leur pousser à voir, n'est-ce pas, la vie. Mais pour comprendre que ce n'est pas une question de religion, voilà. C'est-à-dire qu'on peut être chrétien, musulman, et être ensemble. C'est une question d'amour de l'être humain. Voilà. Donc la religion ne doit pas venir nous briser, n'est-ce pas, ce lien-là. Parce que l'être humain est créé à l'image de Dieu, on peut être musulman et dormir dans le même lit. La preuve, c'est que moi, mon chauffeur, c'est un musulman. Quand il est en carré, moi, je fais ses sucres, je vais lui donner. Voilà, donc, moi, je n'ai pas de problème. Peu importe comment les gens interprètent ça, je préfère marcher avec quelqu'un qui croit en Dieu que quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. S'il a fait Allah, Koubarou, Mamadou, Lassoula, tout ça, c'est bon. Il va prier, il garde sa voiture, il prie. Quand il finit, Mabou vient, il prend son volant, on est parti. Donc moi, ce n'est pas un problème. La preuve, c'est que quand j'étais aux États-Unis, c'est justement un musulman, M. Dosso et Mme Dosso, Kadi, qui m'ont accompagné dans tout ce qu'ils faisaient. Et ce sont les mêmes musulmans du loi là qui ont fait que je suis rentré à l'ONU. C'est eux qui ont fait que je suis rentré à l'Union Européenne. C'est eux qui ont fait que je suis rentré. C'est des musulmans, pas des chrétiens. Pendant que les pasteurs... Les pasteurs me combattaient, les musulmans m'ont pris bras le corps. Pourquoi? Pas parce que je suis Jésus ta mort. Non, parce que ce que le prophète fait est bon, il faut l'aider. C'est tout, ils ont vu. Tout ça que les gens, ils ont quand même cette capacité de réfléchir. On peut dire quelque chose de quelqu'un. Si quelqu'un m'aime pas, il parlera mal de moi. Voilà, je n'ai pas besoin que tout le monde m'aime. Vous n'êtes pas obligé de m'aimer. Mais... quand même, quand on dit, on parle de quelqu'un, on prend quand même le temps de savoir qui il est réellement. On n'avale pas tout ce qu'on nous dit. Donc les gens, ils prennent le temps d'analyser ce que les gens ont dit, parce que quand même, cette faculté, et ça, on a perdu cette faculté d'analyser les choses, c'est qu'on devait bête. C'est des hommes bêtes, là, qui ne cherchent pas à réfléchir, qui avalent les choses. Ah non, quand on parle de X, il faut savoir pourquoi le monsieur, qui est le X. Et quand les gens découvrent que le prophète Krasso, c'est ce qu'il fait, il m'aime. Il commence à m'aimer. Parce qu'en réalité, je ne suis pas un homme mauvais. Voilà, je ne sais pas parce que je suis juste, mais je ne suis pas un homme mauvais. Moi, mon souhait, c'est de voir des êtres humains être à l'aise. C'est le combat que je mène dans ma fondation et dans mon ministère pour la destruction des œuvres de la sorcellerie. Et les musulmans ont commencé. Il y a beaucoup de choses dedans, dans le combat que je mène. Et ils prient. Allah, moi je suis dans l'enfer de Jésus. Mais ça ne les empêche pas de m'accompagner dans le combat que je mène. Ils m'ouvrent les portes pour que je puisse avoir des moyens pour aider les enfants. Ici, l'Afrique, nous souffrons beaucoup. Nous souffrons beaucoup. Nous autres, on a quand même pensé, on prie Dieu pour que le Seigneur puisse vraiment nous utiliser pour donner, n'est-ce pas, aider les enfants en difficulté. Et ça, c'est vraiment très important. De voir des enfants que vous voyez, et eux-mêmes ne savent même pas leur avenir. C'est-à-dire, leur avenir est hypothéqué. Ils sont là, mais ils ne savent pas s'ils vont, ils vont démettre quelque chose. Parce que papa même, il n'arrive pas à manger. Maman n'arrive pas à manger. L'enfant, elle est en difficulté. Donc, nous autres qui avons l'amour de l'être humain, c'est ce que nous devons faire. Si nous voulons voir une société puissante demain, une société, n'est-ce pas, qui n'est-ce pas, intellectuelle, parce que quand quelqu'un est intellectuel, cette capacité de réfléchir, il voit des gens en train de développer des grandes personnes, occuper de grands postes à partir de l'école. C'est cela que notre fondation est rentrée dans ce combat. Je suis vraiment réjoui de votre présence ce soir, surtout qu'il y a la maman là, que Dieu te bénisse. Elle est musulmane, il y a beaucoup de musulmans ici. Non, nous, c'est pas, on vous dit pas de quitter la mosquée. Nous autres, c'est vous aider à éduquer vos enfants pour vous soutenir dans l'éducation de vos enfants. Vos enfants n'ont rien à voir avec la pauvreté. Ils sont nés, ils sont dans des conditions bizarres. Si on ne les aide pas demain, ils sont vont devenir microbes et puis ils vont nous piquer virus là, on peut en mourir. Parce que microbes, ils tuent. Or, s'il y a un microbe, on va tous fuir. Il n'y a plus d'autre jamais pour les tuer. Donc, c'est cela qu'il faut aider les enfants. Il faut parler avec eux. Et ici, qu'on est ici, moi, je laisse mon titre de prophète. Je deviens même chose comme eux. Je parle avec eux, je change avec eux. Parce que celui que tu vois aujourd'hui, qui a 2 ans, il aura 20 ans demain, il aura 30 ans demain. Tu ne sais pas ce qu'il deviendra demain. Donc, mais l'amour, il faut être amour. C'est l'amour qui peut nous pousser à ça. Voilà, c'est l'amour. Et c'est Dieu. Ceux qui peuvent mettre l'amour dans votre cœur.
C'est différent. Quand quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne peut pas penser à aider quelqu'un. Voilà. Et moi, j'ai compris, depuis que je connais Dieu dans ma vie, je ne pense pas qu'à moi, je pense à l'autre. Au truc. Et c'est un peu tout ça qui a fait qu'aujourd'hui, on a mis tout ça sur pied par la grâce de Dieu. J'avais beaucoup de bonnes nouvelles à vous donner. Mais le moment, il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on s'organise. Je suis arrivé, ça fait quelques jours, mais on aura l'occasion de parler avec nos mamans. Il ne faut pas que ça s'arrête seulement vous donner les cultures scolaires, mais comment on organise les mamans là? Comment on va vous organiser? Il faut qu'on vous finance pour que vous puissiez réaliser des projets. Amen. Et là, je suis là. Amen. Amen. Et tiens que je vous connais. Nos mamans Doula, tel que je vous connais, si on vous a donné de l'argent, vous allez réussir. Parce que vous-même, vous êtes la connaissez. Voilà, c'est voilà, parce qu'au-delà de les fournitures scolaires qu'on vous donne, et ça on le fera tout le moment. Hein, pour la grâce de Dieu, mais il faut que quand l'enfant vient à la maison, il soit en mesure de trouver à manger. Le cabateau, au moins, il ne faut pas que ça manque. Ou les petits beaux au matin, ça ne doit pas manquer. Si Mambo manque ça, il va voler. Il va voler, ça c'est pas amusant, il va aller voler. Il va aller au marché, il va voler l'argent des gens. Il faut qu'on vous accompagne au-delà de cette histoire de fournitures scolaires. Je viens encore d'autres idées. Vous dit on peut vous accompagner, mais si seulement qu'on se met ensemble, je pense que notre maman, elle est capable de le faire. Et c'est ça que j'ai travaillé dans ces temps-ci, pour qu'on puisse avoir un noyau de femmes qui ont des enfants que nous aidons, bien sûr, et pour qu'on puisse aussi vous-même, les mamans, vous supporter, parce que nous connaissons mon papa là. Ils ont donné 5000 francs, c'est pour toute la vie. Ils t'ont marié dans le mariage, ils ont dit, maman, tiens, pour prendre 10 000 francs. 10 000 francs, là, c'est pour ça. Tout. Lui, il est dehors, il prépare. Tu vas au marché, je connais le problème. Là. Je connais, maman, il connaît ça. Le monsieur vient, il est dans Dominique, tu as levé l'argent où? Tu n'as pas donné l'argent, tu veux manger. Tu sais où elle a levé l'argent? Tu ne sais pas, mais tu mains tout là, quand même. Donc, il y a tout ça là qu'on doit régler. Mais c'est ça. Regarde les gens, ça va. Nos mamans, là, souffrent. Il faut qu'on vous accompagne un peu dans tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses. Et moi, j'aimerais qu'on suive un peu l'exemple. C'est vrai que peut-être que c'est rien, mais aider un seul enfant, ce serait vraiment apporter la joie dans le cœur d'un enfant. Et ça, c'est vraiment au-delà de la religion. On ne peut pas peut-être être pasteur, sinon si on mange l'argent, on est parti, on est toujours en train de voyager, et puis on ne pense pas à d'autres personnes. Moi, je pourrais le faire, mais non, ce qui à moi, ce n'est pas un mauvais esprit, c'est un esprit qui est sain. Et quand tu as un esprit qui est sain, tu penses aux autres. Voilà, tu ne penses pas à toi. Pendant que toi tu manges, tu penses, pendant que je mange, il y a d'autres personnes qui souffrent. Il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas manger. Donc tu veux partager. C'est ça l'expérience de quelqu'un qui a eu le Saint-Esprit en lui. Il n'est pas plus en lui. Et ça, quand les disciples de Jésus-Christ ont expérimenté ça, c'est le partage. Et c'est ça l'expérience que j'ai fait avec Dieu. J'ai commencé à respecter les êtres humains. Moi, peu importe la religion, ça ne peut pas nous diviser. On est ensemble. On va vous accompagner. Et ça, c'est vraiment sérieux. Depuis hier, j'ai commencé à parler hier soir avec. Le personnel de la fondation, on va commencer à s'organiser, on va commencer à vous donner, n'est-ce pas, à réaliser des projets. Et ça c'est important pour nous. C'est maintenant ce qu'on va essayer de faire. Au-delà des fournitures scolaires qu'on donne à vos enfants, les rentrées scolaires, on donne des chaussures aux enfants. Maintenant, vous les mamans, quand les enfants sont habillés, vont à l'école, qu'est-ce qu'ils mangent après? C'est tout ça. Il faut qu'ils trouvent à manger. Donc, si vous avez de quoi en faire un commerce, mais je pense que les enfants seront mieux à l'aise. C'est ça que nous venons entretenir. Nous sommes en train d'encadrer les enfants, mais dans quel environnement? Les enfants sont encadrés comment? Et c'est ça. Je n'ai pas besoin d'être maire. Je n'ai pas besoin d'être envoyé une ambition politique pour faire ça. Je suis un être humain. Il faut être humain. C'est-à-dire que tu vois la souffrance et quand tu ne fais rien, même la loi nous condamne, on dit non-assistance à des personnes en danger. Mais c'est les enfants. Si on ne les aide pas aujourd'hui, ça serait difficile. Moi, je suis allé à Dulaboukou, la dernière fois, dialogue. J'ai vu des conditions dans lesquelles les enfants fréquentaient. C'était difficile. Regardez comment les enfants qui aiment l'amour de l'école, regardez comment les enfants étaient. Donc, on a plus sur nous le soin de pouvoir vous aider. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est une question d'aider des êtres humains que vous êtes créés à l'image de Dieu. C'est ce que nous sommes en train de faire au-delà de ce que nous sommes en train de faire, se rencontrer là. Mais qu'est-ce que la maman devient? Qu'est-ce que la tante devient? Quand on se sépare, qu'est-ce qu'elle fait comme activité? Nous, c'est ce qu'on va commencer à passer. Si ça, on va commencer à travailler, on va la rentrée scolaire, on va vous appeler. Il faut qu'on va vous appeler tous les moments là.
on vous dit, voici l'argent. Ce n'est pas parce qu'il y a l'argent. Ou pas vous allez voir cette vidéo, vous pouvez m'offrir à tous les millions du monde. Non. Le minimum que j'ai, je veux partager ça avec mon maman. Je veux partager ça. Pour que demain, je sois content de voir mes petits frères, mes enfants grandir vraiment dans de bonnes conditions. Parce qu'au-delà des chaussures qu'on porte, au-delà des fournitures scolaires, mais s'il n'y a pas mangé, le jour où il n'y a pas mangé à la maison, maman et papa ne vont pas là. Mais maintenant, s'il n'y a pas mangé, dès que l'enfant même les gars, t'as pris pas, vous comprenez? Donc il faut penser à tout ça. On a beaucoup de projets. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nos enfants, là, en même temps que je parle à nos mamans, nos enfants, et nous voulons les voir grandir dans de bonnes conditions. Voilà, c'est pas parce qu'on a l'argent, mais s'il y a des difficultés, je ne dis pas aussi qu'il faut forcément venir nous présenter les besoins. Mais je n'aimerais pas voir un enfant mourir pour 500 francs. Voilà, pour 500 francs, on va à l'hôpital, l'enfant meurt pour 500 francs. Ça fait mal. Voilà, donc c'est des choses qu'on va, on va essayer de bannir. On peut régler ça. Donc on va ce qu'on, nos mamans, on va vous recenser, on va refaire ça encore pour qu'on puisse savoir à fond vos problèmes. Hein, vos problèmes et puis vous aider. Voilà, vous aider pour que le Seigneur vous bénisse. C'est ça qu'on appelle l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas prendre un micro, démon sort, sorcier, va, il va pas, sort. Non, l'œuvre de Dieu pour aider les gens. C'est ça que l'œuvre de Dieu. Sinon, si j'ai plus de prêcher, si je n'ai pas mon projet, ma prédication, c'est sûr. J'ai fini de prêcher, oh, et Dieu est bon, démon, marche, Dieu guérit, miracle. Ça, c'est Dieu qui fait. Moi-même, être humain, est-ce que je pense à mon prochain? C'est ça qui est vrai. Et ça ne ment pas. Si je ne fais pas ça, c'est que c'est du bluff. Si je prie pour que quelqu'un marche, ce n'est pas moi qui fais marcher quelqu'un, c'est Dieu. Si je prie pour que les démons sortent, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Maintenant, moi, qu'est-ce que je fais? Je vais obéir un commandement, aider mon prochain. Je veux aider mon prochain. C'est ça, la Bible dit accomplir la loi et les prophètes. C'est comme aider son prochain. Moi, je préfère aider que de détruire quelqu'un. Si je n'aime pas quelqu'un, et puis d'ailleurs, pourquoi ne pas aimer quelqu'un? Je préfère prier pour lui pour que Dieu le transforme. Voilà, donc moi, l'amour qui est de Dieu en moi, je retire Dieu. Et quand Dieu est en ma vie, c'est d'apporter de l'aide, une assistance. C'est pour ça que je suis en train de faire. Je suis à Divo, j'ai envie d'aider. Je viens de discuter avec les enfants des Aroko. Je suis en train de faire, j'ai un projet. À Zaroko, nous sommes en train de faire de j'aime avec la jeunesse de Zaroko. Encore d'autres projets, on est en train de parler avec eux. Ils viendront encore demain chez moi encore pour aider la jeunesse. On a aussi des projets d'élevage. Mais c'est tout ça qu'on appelle aider les gens. C'est tout ça, on a dit, aider les gens. Avec 600 000 francs, on crée un champ de j'aime. Et le champ de j'aime, là, c'est si ça sans production, c'est 10 millions. Un hectare. C'est-à-dire les gens qui nous fournissent les pépinières, eux-mêmes viendront prendre eux-mêmes, si on a déjà le marché. Vous comprenez donc? C'est-à-dire on peut fournir, on peut avoir les moyens et puis aider notre entourage. Avec 5 francs, on peut apporter le développement, la joie autour de nous. Voilà, donc c'est ça le partage. Dieu, c'est le partage. Dieu lui-même, dans la Bible, pour nous, Jésus, et Dieu aimait le monde qu'il a donné. Dieu, c'est le partage. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Je ne suis pas en train de me bloquer. Sinon, moi, où je peux aller dormir, je peux aller dormir dans les meilleurs coins du monde, mais ça ne sert à rien. Je voyage à New York, je vais à Paris, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que j'ai fait sur cette terre? C'est en fonction de ça que Dieu va me juger là-haut. C'est pas avion je prends, c'est pas première classe je suis en train de prendre. Est-ce que j'ai pu m'occuper des êtres humains? Est-ce que j'ai pu et j'ai fait la volonté de Dieu? C'est ça qu'on appelle fait la volonté de Dieu. Si on s'éloigne du péché, qu'on n'aide pas son prochain, mais c'est grave. Voilà, c'est au-delà de la religion. Moi, je ne pas, moi, c'est Dieu. La connexion avec Dieu qui est plus importante. Et ça, ça se concrétise dans le fait d'aimer son prochain, dans le fait de s'investir. Donc, voici un peu ce soir que Dieu bénisse. Vous allez prier pour moi. Merci parce que votre prière fait que je suis parti. Et par sa grâce, je suis revenu. On aura l'occasion de parler de quelque chose de très important. Cette histoire de vous organiser en association. Et puis je vois comment on va financer cette association-là. Des femmes, des dialogues. Qui, amen, voilà, amen, on va vous accompagner. Vous suivre. Pour que. Amen.
pour que demain, nous puissions vraiment accomplir un peu notre vision, c'est que nos enfants, s'ils rentrent chez eux à la maison, on n'aura pas de problème. Ici, le problème de l'Afrique, c'est un problème de faim. Moi, j'ai assisté à des grandes conférences à l'ONU, il y a beaucoup à faire que d'insulter quelqu'un. Il y a un problème de faim, il y a un problème d'éducation, les enfants ne vont pas à l'école. Il faut parler de ça, c'est ça qui est vrai. Il y a un problème de pauvreté en Afrique, c'est la pauvreté de santé. Voilà, c'est pour ça qu'ici, au sein de l'infirmerie, ici, on a une infirmerie ici. Nous sommes en train de prier par la grâce de Dieu, l'infirmerie sera encore plus équipée par la grâce de Dieu. Les enfants ont besoin de ça. Il y a des enfants qui meurent parce qu'ils n'ont pas 500 francs. Voilà, il y a des enfants, il y a des 500 francs. Donc c'est tout ça que nous voulons régler et permettre à ceux qui nous suivent de suivre l'exemple. Voilà, de suivre l'exemple parce qu'au-delà de la région, il faut aider les gens. Il faut les assister, il faut les aider. Ça, c'est pas maintenant qu'on a commencé. Aujourd'hui, on a ce bâtiment parce que c'est un rêve qui a accompli. Sinon, c'est pas maintenant. Si j'ai travaillé pendant 5 ans, depuis les 5 années, c'est ce qui est fait là, Zaroko. Voilà, je n'ai pas. Voilà, donc ce bâtiment-là, c'est l'accomplissement d'un rêve. Parce que ma prière, c'est d'avoir le local et puis en commencer à faire encore plus avec les enfants populaires. Gloire à Dieu. Merci pour vos prières. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis parti, je suis revenu en bonne santé. Amen. Et puis, votre bénédiction, en fait, que le Seigneur m'a ouvert beaucoup de portes. Et on va en parler plus tard. Nous partageons un repas, c'est vraiment important. Je demande aux cuisiniers là, d'envoyer le repas. On va partager un repas ensemble. Amen, bon, ok. Venez s'il vous plaît. Venez avec le repas. Eh bien, merci beaucoup. Je pense que maman est dans une vision, n'est-ce pas, maman? Tata, tu as une vision. Hier, tu en parlais et tu crois que sans même toucher le prophète, ce que tu veux, ce à quoi tu pensais, c'est sorti. C'est un véritable homme de Dieu. Tu avais voulu. Je crois en Dieu. Dieu est merveilleux. Je crois en Dieu, je crois au prophète. Merci. En tout cas, ça s'applaudit. Ça s'applaudit. Merci beaucoup. Alors, pendant ce temps, le temps que les mamans s'occupent des enfants, parce que le ventre réclame, n'est-ce pas? Alors, les enfants de Konokro en. Sérieusement, hors antenne, hors caméra. D'accord. On va s'asseoir dans un coin, on va parler, on va concrétiser ça et puis on va vous laisser réaliser votre travail. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. J'ai nommé son père. Merci. Je pense que le serviteur de Dieu va prier pour la nourriture. Merci de prévenance
Au nom de Jésus que je prie, amen. Amen. Bon appétit. Je suis pas venu.